quasiment stationnaire et du vent offshore ce matin sur la Cano. Bonjour à toutes et à tous. On commence la journée avec un temps qui est couvert avec de timides éclaircies, mais ça semble se dégager. Possibilité encore d'averse dans le courant de la matinée. La température extérieure, elle est relevée à 17-18 degrés. Cet après-midi, temps variable avec une température à 24 degrés. La température de l'eau est à la 21 degrés. La marée qui était haute à 7h20 sera basse à 13h20 avec des coefficients de 98 sur ce tout début du descendant. Le vent est offshore avec un secteur est-sud-est, moins d'un beaufort. Le plan d'eau est lisse, propre. La houle se présente en ligne longue, 10 secondes de période, orientée ouest-nord-ouest. Une houle qui est multipique, sectionnée, et qui par rapport à hier soir est peut-être en léger repli. Je vais dire que c'est stationnaire. Il y a un déferlement régulier à la hauteur de 1m20, 1m50. Et sur les séries longues à venir, il y a un bon 1m50. Une houle en pic qui déferle assez rapidement, avec des phases de vagues qui sont lisses, des épaules qui sont creuses. Des fois ça ferme, des fois ça ouvre. C'est un peu aléatoire, malgré le vent offshore, des vagues de qualité moyenne. Mais il y a quand même de quoi glisser. Et il y a des surfeurs à l'eau. Évolution pour le reste de la journée, la boire cachon est à 2,67 secondes, sur une tendance en légère baisse. La houle va se tasser un tout petit peu en soirée, on attend à 13h 1m50. Houle ouest-nord-ouest, 10 secondes de période, le vent passe ouest-sud-ouest 1 à 2 beaufort. Et à 17h, 1m20, 1m50, houle ouest-nord-ouest. 10 secondes de période, vent d'ouest qui se lève un peu dans les deux beauforts. Il y aura du surf et de l'action toute la journée. Ce matin, tôt, mi-marée, ça sera pas génial. Marée basse, on aura des vagues. Et de nouveau ce soir, en fin de journée, des vagues praticables. On vous souhaite un bon début de journée, un bon surf si vous allez dans l'eau. On se retrouve à 11h30. À tout à l'heure.